Revenez quand vous aurez vaincu. Yo tout le monde, salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi aujourd'hui ça va super bien et on se retrouve sur un nouveau gameplay. Donc comme je vous l'avais promis, c'est un gameplay à la MP7 silencieuse chargeur grand cap, donc sur la map drone. On pourra un vrai carnage, donc je vais faire un score de 83-8. Donc je vais mourir pas mal de fois, puisque voilà, on était sur la map drone aussi. Une map que j'apprécie un peu moyen, puisque c'est une grande map un peu vaste, donc où il y a beaucoup d'espace, où on peut se déplacer d'une manière... dans ce gameplay, je vais me déplacer d'une manière très furtive. Vous allez le voir, je vais avoir de très bons déplacements et je vais essayer de rechercher le corps à corps. Donc je vais éviter le combat lointain et tout ça, parce que voilà, la MP7 elle n'est pas très très précise comme la N94 ou les fusils d'assaut comme la M27. Donc voilà, je vais me déplacer un peu dans les bâtiments et je vais essayer de contourner les ennemis et les reprendre à revers dans leur spawn, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Et je rentre direct après dans le bâtiment pour rechercher le corps à corps. Donc voilà, dans cette vidéo je voulais vous parler d'une chose que j'ai déjà parlé auparavant, mais qui date vraiment, puisque voilà, YouTube, comme vous l'avez pu remarquer, a changé depuis longtemps. Donc ça fait je sais pas combien de mois il a changé, et que moi, donc voilà, je m'intéresse pas à tout ça. Donc je mène un peu ma vie de un peu à côté, donc je m'intéresse pas à YouTube. Donc voilà, je recherche quelqu'un donc aujourd'hui qui pourrait refaire totalement ma chaîne, donc c'est à dire refaire un nouveau logo, refaire le nouveau background. Donc je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, la petite bannière là au dessus. Donc voilà, il y avait mon GFX d'avant, donc qui m'avait promis qu'il m'en fasse réa, donc mais j'ai pas eu de nouvelles de lui, parce que voilà, j'ai un peu mis ma chaîne en pause, j'ai un peu arrêté les vidéos. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui pourrait donc s'occuper de moi entre guillemets, et de refaire ma chaîne donc avec le logo et tout ça, donc vous faites comme vous voulez, moi de toute façon j'accepterai tout. Et aussi si vous pouvez le faire, donc ou si vous, par exemple, vous connaissez quelqu'un de vos proches, un de vos amis, pourquoi pas ne lui en parler, lui dire que voilà, Voltex il recherche une personne comme ça. Et donc voilà, il n'y a pas de problème, donc je l'ajouterai à ma subbox et tout, je lui ferai de la pub si voilà, en échange de ça, donc il me rend un service, donc il donne une petite touche personnelle à ma chaîne. Et aussi pour les miniatures des vidéos, donc je peux les faire tout seul, mais voilà, donc j'ai pas d'idée originale. Et aussi je fais, donc voilà, je suis pas non plus un pro, je sais pas tout faire non plus avec avec les logiciels, tout ça, je sais pas utiliser tous les logiciels. Donc voilà, c'est pour ça que je recherche quelqu'un qui pourrait donc pourquoi pas refaire un peu ma chaîne. Vous l'avez vu tout à l'heure, donc voilà, j'ai tiré sur la porte, comme vous l'avez pu le remarquer, j'ai tiré sur la porte parce que si vous savez pas cette technique, donc vous mettez quelques balles sur la porte et la porte s'ouvre automatiquement, c'est pour mettre des feintes à l'ennemi ou si à quelqu'un. Donc voilà, pour les sujets de la vidéo, donc j'ai eu pas mal de sujets donc sur ma vidéo que j'avais fait qui date vraiment. Donc j'ai eu des sujets qui sont un peu intéressantes, donc notamment il y a quelqu'un, donc un abonné, qui m'a dit: est-ce que tu pourrais parler dans une de tes vidéos du spawn kill si c'est un mode de jeu équitable? Donc je ferai ça dans une prochaine vidéo, donc puisque voilà, je vais essayer de faire un gameplay donc adapté avec le sujet. Donc si vous avez des sujets aussi à me proposer, n'hésitez pas, je prendrai tous les sujets. Par contre ne me proposez pas des sujets général, ou je sais pas, soyez un peu précis. Si vous voulez proposer des sujets généraux, donc que je puisse parler de moi, de ça, y a pas de problème. Mais si par exemple vous voulez parler vous voulez que je parle des nouveaux DLC, tout ça, donc il y a beaucoup de gens qui le font, donc je pense que ça sert un peu donc à rien, puisque voilà, il y a des youtubeurs 10 000 fois plus connus que moi qui font ce genre de sujet, donc qui parlent qui compare les consoles, les nouvelles consoles qui vont arriver, les nouveaux Call of Duty, tous les DLC de... Donc ça, donc je sais pas si je vais faire ça, je ne pense pas. Donc moi, si vous voulez, je peux parler de plein de choses dans le gameplay, donc de vous donner des conseils sur les modes de jeu, sur tout ce que vous voulez. Notamment il y a un abonné aussi qui m'a proposé de parler du mode de jeu, si je sais pas si vous le savez, le mode de jeu, le mode objectif. Donc il faut que vous soyez 3, vous lancez la partie. Et voilà, vous tombez en 3v3. Il y a 3 buds donc dans chaque équipe. Et donc voilà, j'ai fait des gros massacres dans ce mode là. Donc c'est pour ça peut-être que récemment vous m'avez vu jouer dans ce mode là.
Je prends aussi pas mal de plaisir à jouer dedans. Donc voilà, je débloque au moins 5 groupes de chaises par partie. C'est vraiment abusé. Donc voilà, je prendrai aussi un gameplay pour parler de ce sujet-là. Donc là, après, il y a beaucoup de gens qui me demandent de parler des consoles et tout ça, mais non, mais je suis pas, donc voilà, je vais pas parler de ça. Donc là, voilà, je suis pas fait pour parler des consoles et tout, puisque voilà, je m'y connais pas beaucoup. Des processeurs et tout ça, franchement, je m'y connais un tout petit peu, mais voilà, donc il y a plein d'autres gens qui l'ont fait, donc ça sert, voilà, je vois pas l'intérêt de refaire ça. Donc là, au passage, ça fait la deuxième fois que je me fais tuer par une bêtise. Voilà, franchement, c'est chiant les bêtises, c'est chiant comme tout. Pour parler un peu du gameplay, donc vers la fin, donc voilà, je jouais avec la MP7 silencieuse chargeur grand cap. Donc j'avais aussi un C4, donc un C4. Je jouais avec les atouts fantôme, détermination. J'avais pillard et en troisième atout, j'avais dextérité. Donc c'est tout le temps les mêmes atouts que j'utilise. Sauf parfois je change mes gilets par balles, je mets condition extrême, mais c'est très très ça arrive très très rarement. Les score streak, donc là j'utilisais des score streak que j'utilise aussi souvent. Donc la micro station, les chiens et les groupes de chasse. Donc voilà, je vais faire un score de, il me semble, de 83 à 8. Donc là sur cette même map et sur ce avec la MP7, donc il me semble que dans le studio j'ai un gameplay de 77-0, un truc comme ça. Donc je vous le mettrai un peu plus tard, parce que voilà, sinon ça fera deux gameplays un peu similaires. Donc MP7, drone et tout ça. Donc voilà, je vous le mettrai donc plus tard, d'ici quelques mois. Je le garde un peu. Donc voilà, pour dire sur cette vidéo, donc sur cette vidéo, le sujet, donc ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que en ce moment, voilà, je cherche quelqu'un pour refaire ma chaîne. Le plus important, c'est ça. Et aussi de me proposer des sujets, de ce que vous voulez que je parle, de plein de choses et tout. Donc voilà, je suis ouvert à tout. Demandez-moi ce que vous voulez. Et il y a aussi une chose dont je voulais parler, donc à la fin, très rapidement. Il y a un abonné qui m'a proposé de commenter, pardon, un de ses gameplays, que j'ai accepté, donc vraiment sans aucun regret. J'ai accepté de commenter ce... son gameplay. Donc voilà, c'est un très très bon gameplay. Je penserai à l'envoyer à Code QG. Donc voilà, si je serais pris, donc je serais vraiment très très content. Le gameplay, pour vous dire, c'est un plus de 100 kills, plus de 150 kills, plus de 150 kills avec moins de 5 morts en hardcore, donc avec la Peacekeeper. Il m'a envoyé ça et vraiment j'étais voilà, je regardais le game, j'étais comme ça, donc la bouche ouverte. Comment elle a pu faire ça. Donc voilà, je vous commenterai ce gameplay là. Je l'ai mis dans le Mush Studio aussi. Tout ça pour vous dire, donc si vous aussi vous avez des gameplays donc intéressantes, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel mode, n'importe quelle map et tout, proposez-les moi. Et donc je les prendrai avec grand plaisir pour les commenter, pourquoi pas les envoyer aussi à Code QG. Cette vidéo va se terminer. Donc c'était une élimination confirmée. On arrive bientôt aux 100 points. Donc là on est à 97-98. Donc là je vais faire le dernier kill. Donc là si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Donc tout le blabla. Allez, c'était Voltex, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.